Cher journal, en ce moment, ça va pas du tout. On est en période de rentrée, période du fini les vacances, on reprend l'école ou le taf, période du y a plus de soleil, maintenant il fait moche tous les jours, période de crise existentielle. Septembre, octobre, pire période de l'année pour moi. Plus que 3 mois avant Noël, qui est pourtant ma période préférée de l'année. Les repas de famille avec les cousins, l'ambiance de Noël, les cadeaux, la famille réunie, les ronds-pans. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours une période de l'année où je suis dans un monde triste. Et c'est toujours à cette période-là. Je déprime tout le temps. Pourquoi? Je sais pas. Mais vraiment, là, je suis trop en bas d'existentiel à mort. Il y a des jours où je suis trop trop bien et il y a des jours où je vais être une boule. Et là, ça fait 3 semaines que je suis une boule. Zéro inspi, zéro motivation, fait de moins en moins de sport, envie de rien faire. Et j'ai décidé de pas le montrer. J'ai pas envie de montrer aux gens quand ça va pas. De 1, je me sens coupable. Pourquoi je vais pas bien alors que je suis bien? De 2, je veux pas partager des ondes négatives. Il y a eu plusieurs soirs où j'étais au bord des larmes. J'ai vraiment envie de me confier à mes abos parfois. Faire un live et parler directement avec eux sur Insta. Mais je me suis toujours montrée joyeuse et pleine d'énergie. Tu me remontes le moral, tu mets trop de bonne humeur. Meuf, j'ai kiffé ta dernière vidéo, tu m'as trop motivée. Donc j'ai pas envie de montrer quand ça va pas. S'il y a des problèmes, il y a des solutions à tout. Alors pourquoi en parler? Et je me vois pas faire une vidéo où je parle en face de la caméra sans être joyeuse et pleine d'énergie comme je le suis toujours d'habitude. Et pour moi, ce mois-ci, ça allait pas du tout. Même s'il y avait pas de problème. Enfin, si. C'était moi le problème. Donne-moi un gouzou gouzou youtubeuse joyeuse, bonne humeur, drôle ou pas. Divertissant, esprit shonen, pleine d'énergie. Vous croyez que j'allais rien faire face à ça? Bien sûr que si. J'ai donc analysé ma vie et cherché plusieurs explications à ça. Problématique, comme au lycée. Pourquoi c'est toujours à cette même période de l'année que je suis dans un mood triste, où je déprime et j'ai envie de rien faire? C'est-à-dire septembre, octobre, novembre. Raison numéro 1. C'est la période de la même crise pour tout le monde. Non, 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 ça doit pas être ça. 2. Parce qu'il fait moche, froid, il n'y a plus de soleil, le paysage est fade, donc je suis triste et pas énergétique. Attends, attends, attends. Ça veut dire que je suis dépendante du soleil et que je suis heureuse que s'il y a du soleil. T'es fou ou quoi? Non, non, pas ça. 3. Après le bac, je suis rentrée dans plusieurs écoles au mois de septembre. La rentrée quoi? J'ai été déçue de l'école à chaque fois et remis tout mon avenir et ma vie en question sans arrêt à cette même période. Comment on dit ça? Un traumatisme? Non, je sais pas. Mais il y a un truc de cette année qui change de toutes mes années précédentes. Une décision d'une ampleur capitale monstrueuse sur ma vie que je m'imaginais jamais prendre. Ce truc qui fait que normalement, je dois être déter, motivée, bombarder plein de nouvelles vidéos. Mais je le suis pas. J'ai arrêté l'école. Pour un an, normalement. Et depuis, je glande tous les jours, je fais vraiment rien, je m'enfonce de plus en plus. Le premier mois de septembre, j'étais déter, motivée, j'avais tout bien organisé et planifié mes vidéos. Mais là, on est en octobre. Ça fait 3 semaines que je suis plantée devant mon ordi, en train d'enchaîner Sweet Home. Je suis arrivée à un stade où, ouah, comment j'ai la flemme de tout! J'ai tellement la flemme que j'ai la flemme d'allumer mon PC pour jouer à des jeux. C'est grave! J'étais vraiment au fond du trou, ça empirait de plus en plus. Et là, mini déclic. J'ai commencé à avoir une lumière au bout du tunnel, une lueur d'espoir pour m'en sortir de mon bad mood actuel. Plutôt que de trouver une explication à mon problème et au pourquoi je suis comme ça, j'ai fait les choses autrement. Du coup, j'ai essayé de me réconforter. J'ai fait tout ce que j'ai pu faire, j'ai tout essayé quand ça allait pas. Anime. J'ai regardé des animes pour me réconforter. Mais une fois l'épisode fini, comme j'ai déjà tout vu, je cherche un nouvel anime pour me hyper, me dire « Oh putain, il se passe ça dedans, faut vite que je vois la suite, j'ai pas le temps de dormir !» Je trouve pas, parce que j'ai déjà tout vu. Jeu. J'ai joué à de nouveaux jeux sur PC, Genshin, LOL, ça me divertit pas assez. J'ai même commenté la nouvelle Nintendo Switch et plein d'autres jeux avec. Mais au fond de moi, je suis encore déprimée. Repos. J'ai essayé d'écouter les autres. Faut juste se reposer. T'inquiète, qu'il passe, ça va passer. It's okay, it's gonna be okay. Mais vas-y frère, c'est qu'il passe, mais ça passe toujours pas là. Je suis déjà en mode repos depuis 3 semaines. Je continue à dormir tous les jours passent, mais y a toujours rien qui se passe. La bouffe. Comme j'ai une grosse envie de bouffer une pizza, je me suis dit, au calme, j'ai le droit, c'est pour guérir, vas-y, de toute façon, je suis pas très bien. Du coup, tu dis, c'est pour te motiver, comme ça, après, tu vas faire ton sport. Mais t'as la flemme de faire du sport, donc tu fais pas. Puis, je suis partie prendre un bubble tea, ma boisson préférée, pour me réconforter. Puis, j'ai acheté ma pâtisserie préférée, pour me réconforter aussi. Ça a marché 5 minutes. Mais après.
Il n'y a rien qui marchait, justement. Ça empirait de plus en plus. Donc je suis partie chercher une solution chez notre ami internet, qui a toujours réponse à tout. Comment arrêter de déprimer? Accepter que l'on se sent pas bien. Et vas-y. En vrai de vrai, la vraie solution, trouvée, dit, affirmée par tout le monde, 99% des personnes. Le temps. Attendre que ça passe. C'est qu'une période, t'inquiète, ça arrive à tout le monde, tu verras, ça va passer, blablabla. Le problème, c'est que moi, ça passe toujours pas, là. Ça fait 3 semaines que ça dure, je dois bouger. J'ai pas fait 1 an de pause études pour glander, là, y'en a marre. Donc j'ai pris une décision. C'était dur, mais je l'ai prise quand même. Faire comme les 1% des personnes impatientes. Parce que je suis pas un mouton comme tout le monde, moi, t'as vu? Qui, après des semaines, sont toujours coincés dans cette crise, en train de bader pour aucune raison. Et pour ça, il me fallait quelque chose de capital, indispensable, que tous les gens qui ont la flemme connaissent pas. Un truc facile, sinon j'ai la flemme. Efficace, beau, rempli de templates personnalisables, où je peux mettre autant de couleurs et images que je veux, ajouter une playlist de musique, quelque chose pour s'organiser. Vas-y, faut que je me refixe des objectifs là, parce que dans la vie, faut être comme Naruto. C'est quoi que je veux faire depuis tout petit? Ce que j'ai envie de faire? Toutes les vidéos que j'ai toujours voulu faire? Two hours later. Flemme. Non, c'est beau, est-ce que je donne ou pas? Je suis qui pour pas réussir ce que je veux réussir? Sauve-toi d'abord. Was at this moment that... Que j'ai pris conscience que cette année fut sa première année où elle peut enfin se mettre à fond sur YouTube. Et les choses sérieuses ont commencé. J'ai refait tout mon emploi du temps de A à Z. J'ai fait un calendrier, j'ai trié tous mes notes, j'ai fait un tableau de to-do list pour chaque jour, j'ai fait un tableau précis de tout ce que je dois faire, j'ai fait une jauge de progression pour être sûr de progresser chaque jour, j'ai ajouté une playlist d'animaux et c'était chill à mon plan d'organisation, j'ai fait une page spéciale recettes pour manger bien et reprendre le sport au mieux, j'ai fait plusieurs catégories pour bien organiser, avancer mes différents projets. Et là, cher journal, dans 5 ans, je reviendrai écrire les dernières pages de ce journal pour y écrire merci. Merci de m'avoir bougé à ce moment-là, car j'ai réussi à devenir la personne que je voulais devenir en 5 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Cette vidéo était dure à faire parce que j'aime pas montrer un côté triste de moi, ta vie. Cette vidéo et ce journal a été entièrement écrite sur Notion. Je les ai connus avant qu'ils me contactent, donc je suis trop contente de vous l'avoir présenté. Tu peux télécharger mon journal et tous les templates que t'as vus et les refaire entièrement. Pour ça, de 1, t'as juste à installer Notion, c'est gratuit. De 2, tu t'inscris, tu cliques sur mon lien. Une fois que t'es sur la page, tu cliques sur Duplicate en haut à droite. Et là, tu peux tout changer et personnaliser comme tu veux. J'ai mis plein d'autres liens de plein de gens qui ont fait des trucs hyper esthétiques, genre des thèmes Ghibli, anime, BTS, thèmes Rose, je vous ai mis tout en description. T'as vraiment tout et tu peux tout faire. Et c'est trop pratique, surtout pour les cours. En attendant, tu peux me retrouver sur Insta. Oui, je...